Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, donc comme vous avez l'habitude sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va bosser sur le starter Jibanyan et Kappa Cap de Yo-Kai Watch. Donc un des deux starters du jeu de cartes Yo-Kai Watch, le jeu de cartes stratégique. Voilà. Et donc, qui sont sortis, alors celui-ci, sont sortis les deux plutôt le 2 février 2017, donc il y a 2 mois à peu près, chez Hasbro Gaming. Et donc voilà, donc ça c'est un des deux decks, l'autre présente Feu Lion et Comagelo. Donc là-dessus, on va aller regarder un peu le contenu de la boîte. Alors, alors, comment est-ce que ça s'ouvre ce bordel? On va l'ouvrir par le bas. Donc voilà, vous avez Jibanyan et Kappa Cap sur les côtés. Vous avez donc les médaillons machin et Jibanyan ici en foil dans la boîte. Et donc. Des sorties, je laisse la boîte à disposition pour que vous puissiez voir. Donc, on a le deck avec un carton, le carton, voilà, on balance. Qu'est-ce que c'est? C'est le... Ah, le tapis de jeu, putain, il est gigantesque. Voilà. Alors, c'est sans doute le livret d'explication rapide des règles, donc je vais passer rapidement sous la caméra. Voilà, voilà, il est long, très long. Et on retourne avec donc le starter, comme je vous disais tout à l'heure, le starter Feu Lion Comagelo qui est présenté juste ici. Et le starter Jibanyan et Kappa Cap qui est présenté ici, c'est celui-ci donc qu'on va voir aujourd'hui. Et donc le machin est très très long. Et c'est la merde d'un replier. Mais comment ça se plie cette merde? What the fuck? Bon bref, on fout ça par terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les deux médaillons, donc les deux médaillons Yo-Kai. Des deux personnages du coup du deck. Alors on va les sortir dans le bordel. Une couille sur ton front. Voilà. Donc ça va bien sûr avec le jouet qui est sorti avec donc, tout ce qui était la montre Yo-Kai et tout ça. Et donc voilà, vous avez donc celui de Kappa Cap et celui de Jibanyan. Donc voilà, je les mets à côté. Donc ils sont foutus pour être mis sur la... Non, sur la... Merde. Sur la Yo-Kai Watch. Et à côté, je sais pas si c'est pas des codes pour le QR code pour le jeu Yo-Kai Watch. Donc voilà. Et donc là, vous avez, oui, le terrain, du coup. Carrément la place pour les deux joueurs, donc avec les cartes vides de chaque côté, les decks et les défausses. Et après vous avez des trucs pour les médaillons, enfin pour les du coup les yokai que vous jouerez. Voilà, après j'ai pas regardé encore les règles, peut-être que je vous ferai un point de joue là-dessus, à voir la réception de la vidéo. Et de tout ça. Voilà. J'étais sûr que ça se pliait comme ça. Ouais, plus ou moins. Hop, voilà. Donc voilà pour le terrain.
Et du coup, il nous reste les cartes. Alors, coude sur son front, bordel de testicules droit et gauche. Top. Alors, je vais juste réessayer du coup, puisque j'ai le pli du terrain. Mais c'était exactement pareil. Ouais. Quelle idée de faire des trucs aussi grands aussi. C'est n'importe quoi. Mais voilà, comme ça je peux tout vous mettre sous les yeux. Donc, alors je sais absolument, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne connais absolument pas les règles. Du coup, je serais bien incapable de vous dire à quoi correspondent les différents chiffres qu'on a dessus. Mis à part que du coup, là vous avez les fenêtres. Et là, je suppose que c'est la puissance d'attaque ou une connerie comme ça. Et ici, au-dessus, sans doute un coup ou une connerie comme ça. Donc vous avez bien sûr les deux cartes principales du deck. Donc Jibanyan et Kappa Kap. Voilà. Qui sont en foil. Ils sont pas trop cons. Ils nous ont mis... Ah oui, tiens, je vous ai pas montré l'arrière des cartes. Voilà à quoi ressemble l'arrière des cartes Yo-Kai Watch. Donc ils nous ont mis un peu des cartes explication de règles, ce qui est pas trop mal. Donc là, comment se déroule un tour. Donc je vous les rapproche. Top. Comment se déroule un tour et comment se passe la séquence de combat. Ce qui est plutôt sympathique. Et maintenant on attaque le restant des cartes. Alors vous devez avoir sans doute, je sais pas combien. Après, il y a peut-être deux decks, en fait, c'est un starter, donc vous avez le deck Jibanyan et le deck Kappa Kap. Donc, voilà, vous avez donc des cartes action, des cartes yokai, si je vais y arriver. Top, voilà, donc Jibanyan, machin. Donc, ça doit être ça, hein, au-dessus, ça doit être le coup. Alors, si je me mets pas dans le bon sens, c'est sûr que vous verrez bien. Bien moins bien, c'est pas très français tout ça. Donc action, Maltese, ça, ouais, Maltese, Angélique, chauve qui peut. Alors vous avez bien sûr tous les trucs de traduction française, un peu à la façon des Pokémon ou italien. Mais bon, si vous avez joué au jeu Yo-Kai Watch, vous avez bien pu voir qu'il y a des noms bien pourris aussi. Egaroni, machin. Nihilistique. Ben voilà, par exemple, Chihuahua-Glagla, ça fait du Chihuahua-Glagla. Suspicioni, Kappa Kap, du coup. Maltese, again. Angélique, again. Chauve-Kipe, again. Garoni, again. Nihilistique, again, avec des artworks différents. Chihuahua-Glagla, again. Suspicioni again, et voilà, comme je vous disais, on doit avoir deux decks différents. Et je les ai mis dans le bon sens sans le vouloir. Je pense que. Voilà. On doit avoir le deck. Hop. Jibanyan et le deck Kappa. Ça fait 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non, ça fait beaucoup trop peu, 18 cartes. Et de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est à 22. 22 et 18, ça fait 40. Ça fait un deck de 40 cartes, c'est parfait. J'ai dit de la merde. Merci, au revoir. Donc voilà pour l'unbox du coup de ce premier deck, enfin du deck Yo-Kai Watch, Jibanyan et Kappa Kap. Si vous voulez que je fasse du coup un à quoi on joue sur le jeu Yo-Kai Watch, signalez-le en commentaire. Si ça vous intéresse pas, que vous en avez vraiment rien à faire, dites-le pas, ou même dites-le, tiens, si vous en avez rien à foutre du jeu Yo-Kai Watch, si vous... Voilà, hein, faut le dire. Même que vous aimez ou que vous aimez pas, dites-le en commentaire. Voilà, donc si la vidéo vous a
plu, parce que là, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit partage des familles, c'est pareil. Un petit commentaire pour dire si vous voulez, du coup, à quoi on joue sur Yo-Kai Watch, le jeu de cartes stratégique, ou pour apporter toute information. Et là-dessus, je vous dis à bientôt pour un nouveau prochain sur la chaîne YouTube. Ciao.